Mon nom, c'est Victorin Boudreau. Je demeure à Pointe-Vapt, au Nouveau-Brunswick. J'ai embarqué le représentant des apprenants sur trois conseils, FANB, Bathurst-Schellers, puis la SCAF Ottawa. Je suis représentant des apprenants tous les trois, puis je ne veux pas passer cette position-là parce que je n'ai pas juste le titre. J'ai le cœur de vouloir travailler pour que les gens comme moi, qui pensent qu'il n'y avait pas de place dans la société, qu'ils la reprennent, leur place dans la société, puis qu'ils retournent des pupitres d'école, puis ils ont le droit, là, ils ont le droit de reprendre ce change-là, puis aller ces pupitres. Puis ils ont le droit d'avoir quelqu'un qui les aide à passer à travers de quoi ce qu'ils n'ont pas pu passer quand ils étaient jeunes. Parce que quand tu n'as pas une deuxième année, tu ne peux pas t'imaginer ce que ça veut dire le mot le choix. Mais quand tu as une deuxième année, tu as le choix. Parce que moi, j'aurai des gens qui, à mon âge, il y en a un là, dans ma classe, il a le même âge que moi, 63 ans. Il manque un test dans son GED de la maths, mais qui est fini. Là, il est en train d'apprendre un cours de. Pas garde-malade, c'est un homme comme un infirmier. Il est déjà sur son cours. Puis, ils vont donner la chance d'embarquer sur le coup quand même. Mais là, il faut qu'il étudie sa maths, puis il faut qu'il passe. Mais qu'il passe sa maths, là, ce gars-là, là, il va être à la même âge que moi, à 6 mois. Lui, il va avoir le choix. Tandis que moi, je n'ai pas encore le choix. Mais j'ai le choix pourtant de dire à des jeunes, puis des moins jeunes, tu restes accroché après les classes pour être certain que un jour, tu aies le choix de faire une vie que tu veux faire. T'sais, là. Moi, on va à l'école au centre à Pointe-Vapt, comme je t'ai dit, le centre d'accès, puis on a la chance d'avoir Raymond Jean, un homme, Raymond Jean. Sa femme est psychologue. Puis des fois, on le fait rire, on dit, es-tu certain que c'est ta femme qui est psychologue? C'est-tu pas toi qui montres à ta femme comment faire le psychologue? Parce que d'après moi, c'est toi qui es psychologue. Parce que Raymond, dans les classes d'alpha, faut que tu fasses bien attention. Pas tout le monde qui peut enseigner les adultes. C'est ça qui est de valeur. Il y en a trop à cause dans les classes d'alpha qui enseignent des adultes qui ne devraient pas être là. Puis moi, je le sais parce que je passe à plusieurs classes, puis il y a des professeurs qui ne devraient pas être là. Des adultes, il ne faut pas oublier, ça arrive là avec des bagages. Puis tu ne peux pas traiter un adulte comme quand tu étais à l'école, à grade 1, puis grade 2, puis grade 3, là, parce qu'il ne sait pas lire, puis il ne sait pas écrire. On va le traiter pareil même quand elle est à l'école. Hein, non, tu ne fais pas ça, tu ne peux pas faire ça, non. Tu sais, puis mettre un homme de mon âge, ou une femme de mon âge, ou 40 ans, ou 30 ans, ou 25 ans, à l'aise devant. Moi, j'ai la petite jeune fille qui va rentrer, elle me regarde, puis écoute bien celle-là. Elle me regarde, elle dit, monsieur, elle dit, y a-tu tous des vieux comme toi, là? J'ai dit, je suis tellement vieux à tes yeux, mais il y en a des plus jeunes que toi. Des plus jeunes que toi, puis plus jeunes que moi. Mais je peux te dire une chose, j'ai des cheveux blancs, mais peut-être que je suis plus jeune de cœur que tu t'attends, par exemple. Mais dans nos classes, je peux te dire, il faut que le professeur soit à la hauteur d'être capable de respecter l'adulte qui est là, puis mettre l'adulte à l'aise. Moi, il y a un gars qui a rentré en classe, Alex, lui et tout, j'ai le droit de nommer son nom, parce que lui et tout, il veut que j'en parle de lui, parce qu'il dit que j'étais son sauveur. Puis moi, ça me fait plaisir quand j'entends ça. Il dit, quand j'étais en train de parler à Ramon dans le corridor, puis t'as sorti pour aller à la toilette, puis il dit, en rentrant, t'as dit, tu es un nouveau élève qui rentre dans les autres. Puis j'ai dit, ouais, t'en rappelles? J'ai dit, oui. Puis j'ai dit, tu te rappelles-tu ce que tu m'as dit? J'ai dit, ouais. Moi, j'ai donné la main. J'ai dit, je te souhaite le bienvenu parmi nous autres. J'ai dit, tu vas voir que c'est pas long, qu'on va être toute une famille ensemble. Et si tu m'aurais pas dit ces paroles-là, évidemment, jamais j'aurais rentré dans la classe. Parce que j'ai tout fait incapantique. Quand je vous ai toutes vues en dedans, j'ai tout fait, je pensais pas des copains. Tes paroles m'ont fait que j'ai rentré. Le professeur, faut que c'est encore mieux que quoi ce que moi j'ai fait, si qu'il veut mettre des adultes, puis les garder là. Le respect.